Intéressons-nous maintenant à la représentation graphique d'une autre fonction exponentielle. On a vu dans la dernière vidéo l'exemple de la fonction y est égale à 3 puissance x. Cette fois, on va voir la fonction y est égale à 5 puissance x. Et on va caractériser une fois de plus à quoi ressemble la représentation graphique de ce genre de fonction, pour s'entraîner une fois de plus. Donc j'ai préparé ici un tableau de valeurs et du papier millimétré pour faire notre représentation graphique. Alors d'abord le tableau de valeurs. Pour chaque valeur de x, euh, quelle est la valeur de y Donc, lorsque x égale moins 2, y est égal à 5 à la puissance moins 2, qui est la même chose que 1 sur 5 au carré, c'est-à-dire 1 25e, une valeur proche de 0. Lorsque x est égal à moins 1, y est égal à 1 sur 5 puissance 1, c'est-à-dire 1 5e. N'importe quel nombre à la puissance 0 est égal à 1, donc 5 puissance 0 égale 1, 5 puissance 1 est égal à 5, et 5 au carré est égal à 25. Voilà, nous avons l'ensemble des valeurs pour x allant de moins 2 à 2. On pourra aller plus loin dans le sens des, euh, des x négatifs et plus loin dans le sens des x positifs, mais on va imaginer à quoi ça ressemble. On n'a pas besoin de, de faire plus de valeurs que ça pour imaginer cela. Alors je te propose maintenant de commencer à placer ces points sur notre papier millimétré pour représenter la courbe représentative de y est égal à 5 puissance x, commençons par x égale 0. Le point de coordonnée 0, 1 appartient à la courbe, 0, 1 qui, qui est ici. Ensuite les points de coordonnées 1,5 et 2,25. 1,5 est ici, 2,25 est ici. Donc voilà du côté des x positifs à quoi ressemble la courbe. On a une croissance de plus en plus rapide. Hein la courbe devient de plus en plus pentue, comme tu peux l'observer. à x égale 3, on serait à y égale 125. Donc imagine euh, ici l'accélération la, euh, continue de cette, euh, de, de, de cette fonction. De cette fonction y est égale à 5 puissance x. Et à présent, dans la vie courante, lorsque tu entendras le terme croissance exponentielle, eh ben, tu sauras que ça fait référence au, à la croissance de ce type de fonction, et que en fait, c'est un terme qui vient des, des mathématiques. Et qu'est-ce qui se passe du côté des x négatifs maintenant Lorsque x égale moins 1, on a 1 cinquième, donc une valeur déjà assez proche de 0, on va, on va se mettre ici, juste au-dessus de l'axe des x, et. Lorsque x égale moins 2, 1,25ème, donc on est encore plus proche de 0, on est juste au-dessus, ici avec notre échelle euh, de, de, de l'axe des x, et on dit, donc comme la courbe là s'approche de la droite d'équation y égale 0 de plus en plus rapidement, sans jamais toucher euh, la valeur 0, on dit qu'on a une asymptote, hein, une asymptote d'équation y est égal à 0. La droite d'équation y égale à 0 en fait est la limite que cette courbe de la fonction exponentielle ne va jamais atteindre tout en s'approchant de plus en plus de cette limite. Donc pour résumer, voilà à quoi ressemble la représentation graphique d'une fonction exponentielle. Du côté des x négatifs on s'approche de plus en plus de 0 et d'ailleurs on s'approche de plus en plus rapidement de 0. Et du côté des valeurs positives, on a une croissance exponentielle, c'est-à-dire une croissance qui s'accélère de plus en plus.